أمه صلى الله عليه وسلم. La mère du messager صلى الله عليه وسلم. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. La mère du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est Amina, fille de Wahb, fils de Abdu Manaf, fils de Zohra, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lubay, fils de Ghalib. Umur Wasuli, sallallahu alayhi wa sallam, allati wada'atu ila Aminatu bint Wahb. La mère de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, celle qui l'a mise au monde s'appelle Amina, fille de Wahb. Il convient de citer ici une information utile à propos des parents du messager sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que les parents du messager sont préservés du châtiment en enfer. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والدا الرسول ما ماتا كافرين. L'imam Abu Hanifa, qu'Allah l'agré, a dit: les parents du messager ne sont pas morts mécréants. لكن بعض النساخ حرفوا فكتبوا ماتا كافرين. Or, certains qui ont fait des copies des manuscrits et des livres anciens, quand ils ont rapporté cette parole de l'imam Abu Hanifa, ils ont déformé et ils ont écrit qu'ils sont morts mécréants. Et ceci est une erreur abominable. لا نقول عن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم مات كافرين. Nous ne disons pas que les parents du messager, sallallahu alayhi wa sallam, étaient morts mécréants. Rien n'empêche qu'ils aient inspiré la foi en Dieu et qu'ils aient vécu croyants sans adorer les idoles. وأما حديث إن أبي وأباك في النار فهو حديث معلول وأن أخرجه مسلم في كتابه. Quant au hadith selon lequel le prophète aurait dit ce qui signifie mon père et mon père seront en enfer, c'est un hadith qui est معلول, qui n'est pas pris en compte, même si مسلم l'a cité. مسلم له كتاب كبير وروى فيه أحاديث كثيرة. لكن بعض هذه الأحاديث انتقدها أهل العلم. مسلم a composé, a compilé un grand ouvrage dans lequel il a cité beaucoup de hadiths. Cependant, certains muhaddiths ont critiqué, ont porté atteinte à l'authenticité de certains hadiths. ففي صحيح مسلم أحاديث انتقدها بعض المحدثين. وهذا الحديث أي إن أبي وأباك في النار منها. Dans le Sahih de Muslim, certains hadiths ont été critiqués par des muhaddiths, et parmi ces hadiths, justement, il y a celui-là selon lequel le prophète aurait dit mon père et ton père seront en enfer. وأما حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث عند قبر أمي فأطال وبكى فقيل له يا رسول الله رأيناك أطلت عند قبر أمك وبكيت فقال إني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وطلبت أن أستغفر لها فمنعني. هذا الحديث أيضا في مسلم وهذا الحديث مؤول. Quant au hadith selon lequel le messager صلى الله عليه وسلم est resté longtemps auprès de la tombe de sa mère et qu'il a pleuré, et qu'il fut interrogé, ô messager de Dieu, nous t'avons vu rester longtemps auprès de la tombe de ta mère et pleurer. Et qu'il aurait répondu, ce qui signifie,
j'ai demandé l'autorisation à mon Seigneur de lui rendre visite. Il me l'a autorisé. Et je demandais l'autorisation de demander le pardon en sa faveur, mais il me l'a défendu. Ce hadith également figure dans Muslim, mais il est interprété autrement que par le sens apparent. هذا الحديث مؤول كما قال أهل العلم بأن يقال إنما منعه من أن يستغفر لها حتى لا يلتبس الأمر على الناس الذين مات آباؤهم وأجدادهم وأمهاتهم على عبادة الوثن فيستغفروا لآبائهم وأمهاتهم المشركين. Donc le hadith est interprété autrement que par le sens apparent en disant ce qui suit. Il lui a défendu de demander le pardon, d'invoquer le pardon en faveur de sa mère afin que les gens ne soient pas induits en erreur, afin qu'ils ne soient pas dans la confusion. Les gens dont les parents, les pères et mères étaient morts idolâtres et qu'ils se mettent à leur tour à invoquer le pardon en faveur de leur père et mère associateur. ولا يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت ان استغفر لها فمنعني ان ام الرسول كانت كافرة. Donc cela ne veut pas dire que lorsque le messager a dit que Dieu lui a défendu de demander le pardon pour sa mère, cela ne veut pas dire que sa mère était morte mécréante. وهكذا يرد على الذين اخذوا بظاهر الحديث. C'est ainsi que l'on réplique à ceux qui ont retenu le sens apparent du hadith. Après cela, on ne prête aucune attention à ceux qui prétendent que les parents du messager étaient morts associateurs. Donc il n'a pas été autorisé à demander le pardon en sa faveur pour que les compagnons dont les parents étaient morts associateurs fassent la même chose ou qu'ils tombent dans la confusion. La preuve que la mère du prophète était bien croyante est que lorsqu'elle l'a mise au monde, elle a vu une lumière qui a éclairé les palais de Hacham, de Bousra, dans Hacham, qui se trouve entre la Jordanie et la Syrie. بسبب النور الذي أضاء لها عند ولادته صلى الله عليه وسلم أبصرت قصور الشام. À cause de cette lumière qui est sortie, qui a éclairé par la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle a pu voir les palais de cette ville qui est éloignée dans le pays de la Cham. Bousra, comme les gens de science ont dit, fait partie des villes anciennes du pays de la Cham. Aujourd'hui, elle fait partie de la région de Hawran, qui est du côté de entre la Jordanie et la Syrie. فأمه عليه الصلاة والسلام رأت بهذا النور الذي خرج منها لما ولدته عليه الصلاة والسلام قصور بصرة. Donc sa mère, la mère du messager عليه السلام, elle a vu une lumière qui sortit lorsque le messager صلى الله عليه وسلم, elle a vu une lumière qui jaillissait d'elle, qui a éclairé les palais de Bousra. وهذا الحديث ثابت رواه الحافظ ابن حجر في الأمال وحسنه. Ce hadith est authentique. Il a été rapporté par le Hafiz ibn Hajar dans l'Amali et il a jugé Hassan. بل قال أهل العلم رؤية آمنة لقصور بصرى الشام يعد كرامة لها. Les savants ont dit le fait que Amina ait vu les palais de Bousra, c'est un prodige pour elle. Car ceci est quelque chose qui sort de l'ordinaire. والذي يؤيد ما ذكرنا ويرد حديث ان ابي واباك في النار ان مسلما عندما كتب كتابه
الصحيح عرضه على بعض العلماء فوافقوا عليه إلا بعض الأحاديث ردوها. La preuve que ce hadith selon lequel le prophète aurait dit « Mon père et ton père seront en enfer », c'est que Muslim, quand il a fini de collecter, de réunir son livre de hadith, il a présenté à un certain savant de hadith qui ont reconnu, qui ont accepté ce qu'il a collecté, mis à part quelques hadiths. « Kullu al-kitabi aradahu ala ba'di hifazi » فوافقوا عليه إلا أربعة أحاديث ويحتمل أن يكون هذا الحديث منها وهو قوله إن أبي وأباك في النار. Donc ils ont accepté tout le livre mis à part quatre hadiths et il est fort probable que ce hadith mon père et ton père sont en enfer fait partie de ces quatre qui ont été rejetés. أهل العلم ماذا قالوا كما قال أبو حنيفة ما مات كافرين. Les gens de science, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme l'a dit Abu Hanifa, les parents du prophète ne sont pas morts, mais frères. Ils avaient la croyance de l'unicité, c'est-à-dire qu'ils croyaient que Dieu est unique, n'a pas de ressemblance avec ses créatures, et il est possible qu'ils appliquaient la loi de Isa, alayhi salam. ثم على فرض أنهما لم يكونا مسلمين فهما من أهل الفترة. Et dans l'hypothèse qu'ils n'étaient pas sur l'islam, c'est que ils font partie des gens qui ont vécu dans une période où il n'y a pas eu l'appel d'un prophète. وأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الأنبياء السابقين فلا يعذبون. Et ceux qui ont vécu sans avoir reçu l'appel d'un prophète, ce sont des gens qui ne sont pas responsables et donc qui ne seront pas châtiés dans l'au-delà. Preuve en est la parole de Allah, en sourate al-Isra, qui signifie « Nous ne châtillons qu'après avoir envoyé un messager ». أي لا يعذب الله تعالى عباده لا عذاب استئصار في الدنيا ولا عذاب خلد في الآخرة ما لم يسمعوا دعوة نبي من الأنبياء. C'est-à-dire que Allah ne châtie pas d'un châtiment d'extermination dans le bas monde ni un châtiment de punition dans l'au-delà ceux qui n'ont pas entendu l'appel d'un messager. وعلى هذا جمهور العلماء الأشاعرة وغيرهم. Et c'est l'avis de la majorité des savants Ash'ari et d'autres.